'cause to me that's the only way. When the moon is above in the dark sky, that's the time for love, yeah. And you know that you'd be with the right guy, 'cause I'm the only one, yeah. Night time, counting down the seconds to you. Bonsoir, bonsoir à tous. Il est 19h47, on est Jabberwocky, vous êtes en direct avec Le Cercle.
opportunity. Find a cup and fill it up. Try your luck with me. Well, you don't need nobody. One night only. If you sway by the light. More than a man,
Merci beaucoup. I know we're daring, but I was strong enough. Already kings, because we simply fade the worst. I know your anger and all the stuff from us. There's no better time to stay for holding up now. Inside your cold, I'm in. Colder than ice, all back you way. I swear, we all had to fight the worst. You wanted me, that's why I pray for us. There's no better time to stay for holding up now. Open wide your eyes, let me blow your mind. It's no time for giving up. We are giving up our paradise. Oh, it's strong enough. I hold it for you and I. I hold it for you and I. For you and I. Thank you.
feel your breath in my head. You seem to be here, and I'm a lowland fake, and I'm a lowland fake. If this world is too small to be too, a world without sense, if I am without you, it's always the wrong way. There's no return to life, so get your car and die. Look at the game of your life. You never took all the dice. After all, curtains fall. There's no return to life, so get your car. Merci à tous. Yeah.
good price. When I don't get up there, this night is a good place to be. Looking for a good start, showing off my hands, so the girl just came from me. To blame. Thank you.
teach me how to forget the dreams I've done, killing time, rolling to the other stars. I've been running places while the endless sky, dancing with the devil, hanging all night. I stumble in step with flashing lights. I stumble in step, lay down my guard. Lord, even let go, why you should know who caused the shock. We'll be right back.
watch your lead. And some need that is dying so slowly. Gone, I'm almost gone. And I'm giving a love right now. Cause I'm about to come and down. Cause without you, I'm dying. My desire, relight the
pretending. If you play with me, don't choose this game. Ignition again. My blood is your delight to see. My heart's not disappear tonight. You touch me with your finger light. Yeah.
merci, merci à tous, merci au SEC de nous avoir invités. On vous souhaite une excellente soirée. Vous pouvez applaudir Tessa B et OP Smith qui étaient avec nous sur scène ce soir. Merci beaucoup. Encore une fois, merci à tous. Est-ce qu'on peut m'aller... Oh yes. Bonsoir à tous. Bon, salut Jabberwocky. Merci beaucoup pour ce soir. Je vais vous filer un micro, Jean. On n'en a pas 7 ce soir, malheureusement. Bon, merci beaucoup à vous. C'est pas tous les jours qu'on peut vivre ça. Je pense qu'il y a pas mal de personnes ici qui ont pu vivre ce moment, mais aussi beaucoup en ligne. Je crois qu'il y a plus de 40 000 personnes qui ont vu ce live ce soir. Merci, alors d'abord, je voulais vous poser une question. Vous appelez Jabberwocky déjà. Pourquoi ce nom Jabberwocky? Jabberwocky, en fait, ça vient du monstre d'Alice au Pays des Merveilles, de la suite d'Alice au Pays des Merveilles, qui s'appelle De l'autre côté du miroir. Et quand on a décidé de former le groupe, en fait, on était vachement inspiré par tout cet univers un peu fantastique, un peu onirique. Donc du coup, on a trouvé ce nom super adapté à notre projet pour défendre un petit peu les visuels autour, etc. Ok. On vous accueille ce soir à l'occasion de la sortie d'un nouvel EP, Make, que vous avez sorti le 3 mars dernier. Dans quelles conditions s'est déroulée la composition de cet EP qui parle pas mal d'amour, de séduction? Cet EP, on l'a fait dans un studio à Montreuil avec Julien Gallner. Et on l'a fait dans une ambiance... tout à fait convivial et très, 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 très détente. Et, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. On avait envie d'explorer un peu d'autres univers aussi sur cette EP-là et on en est assez content. Ok, bah, il déchire, hein, je peux vous le dire. Ouais, je pense que tout le monde est d'accord sur Internet et ici. Vous avez collaboré avec pas mal de vocalistes sur cette EP. Comment vous sélectionnez les personnes avec qui vous bossez? En fait, ça part d'un constat assez simple, c'est que sur les trois, il n'y en a aucun qui sait chanter. Et pourtant, vous chantez un peu. On chante un peu, il y a quelques effets quoi, pour accompagner tout ça. Et donc, du coup, on voulait mettre de la voix. Et quand on a formé le groupe, on voulait absolument que cette expérience, ça soit aussi des rencontres et du partage. Et c'est vrai que de pouvoir inviter des featuring, c'est simplement la liberté de pouvoir apporter quelque chose qui... Voilà, sublime l'ambiance de chaque morceau, en tout cas dans l'idée qu'on s'en fait quand on compose. Donc voilà, c'est super, c'est plein de nouvelles rencontres et c'est super. C'est joliment dit. Voilà. D'ailleurs, gros big up à Tessa B et OP Smith ce soir qui ont tout déchiré. Comment elle s'est passée la rencontre entre vous trois et vous deux? Alors en fait, je chante avec Synapson aussi et en fait, on s'est rencontrés suite à ça. On s'est très bien entendu et puis donc du coup voilà, on a collaboré ensemble. Leur EP vient de sortir et il y a une chanson sur laquelle je chante aussi sur Honeymoon. Voilà, après OP, je ne sais pas. Alors bonsoir. Salut. Moi, puisqu'on est dans les collaborations, moi j'avais collaboré avec C2C, C2C, voilà. Pour les chœurs de l'album et voilà, donc ensuite leur manager Yann voilà, a filé le numéro parce que voilà, apparemment ils se connaissent très bien. Ils ont dit voilà, vous avez besoin d'une voix un peu masculine, un petit peu soulish, et voilà donc il y a OP Smith qui fait ça pas mal et ils m'ont appelé et ça pareil, on s'est bien entendu, ça l'a fait. Ok, super. Vous jouez bientôt à l'Olympia, c'est important d'en parler parce que ça va, je pense, d'après ce qu'on a vu ce soir, je pense que j'imagine pas ce que ça peut faire à l'Olympia. Comment vous appréhendez cette date? D'ailleurs, c'est quelle date exactement? C'est le 21 avril. 21 avril à l'Olympia, comment est-ce que vous appréhendez cette date? Déjà, on est super fiers. Enfin, ça fait des papas-mamans très fiers de leur gamin. Et j'imagine. Et voilà, c'est une salle mythique, donc on est très heureux de s'y produire et de pouvoir en plus... voilà, présenter de nouveaux morceaux parce que c'est vrai qu'on a fait un EP qui est sorti et on a fait plein d'autres morceaux et on en a joué quelques-uns ce soir et on aura encore d'autres voilà, à l'Olympia. Donc ça sera histoire de présenter ce nouvel univers. Est-ce qu'il reste encore des places pour les gens en ligne? Oui, venez. Bon bah alors dépêchez-vous de prendre vos places, je sens que ça va partir venez très vite. Venez danser avec nous, ce sera avec plaisir. Vous avez réalisé un clip là à Tokyo pour le titre Late Nights avec Elisa Jo. Déjà, pourquoi vous avez choisi cette ville, Tokyo, et comment ça s'est déroulé ce clip?
En fait, l'idée vient aussi des personnes avec qui on a collaboré pour faire la pochette. Donc avec les bobbleheads, ouais. Que tu as pu, je sais pas si tu as vu. Ouais, ouais. Et donc en fait, ils avaient un plan justement avec ces mecs de Tokyo qui possèdent des voitures et des scooters un peu custom, un peu futur. Et ils ont dit, bah, si vous voulez, on emmène les bobbleheads là-bas, on fait le clip avec, et puis comme ça, on tourne plein d'images. Donc nous, on a été super séduits par l'ambiance déjà nocturne de Tokyo et tout. On s'est dit que ça se prêtait bien à la chanson, donc on a foncé direct. Quoi. Ok. Passe un petit bonjour à Paul et Martin, du coup, qui ont réalisé le clip. D'autres dates prévues? Oui, c'est vrai, on a parlé de l'Olympia, mais est-ce que vous avez, je sais que vous avez d'autres dates de prévues. Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes? Oui, il y en a plusieurs. Le lendemain de l'Olympia, on sera à Bourges, au printemps de Bourges. Il y aura aussi plein d'autres festivals, week-end au bord de l'eau. Je ne saurais même pas après. Bon, de toute façon, tout est annoncé, j'imagine, cours, sur vos réseaux. Voilà, n'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux. Il y a tout ce qu'il faut en information pour nous retrouver. J'imagine ensuite, il y a eu pas mal de questions. Alors, je vais essayer de voir. Il y avait des personnes qui demandaient quand est-ce que vous passez à Bruxelles, par exemple. Ce n'est pas prévu. Mais okay. Ça sera avec plaisir. Ok. Invite-nous chez toi. Invite-nous chez toi, on peut venir dans ton salon. Une fois. On a une question de Kevin qui dit un mot pour décrire chacun d'entre vous. C'est pas mal cette question. Ah. Un mot. Hein. Camille, je dirais al dente. Ah, pas mal. Et ça, je dirais piquante. Merci beaucoup. OP, je dirais. Je dirais. Attendez, pardon. Non, je dirais. Serein. Waouh. Manu, je dirais. Bon vivant. Simon, pour le reprendre, je dirais caliente. Caliente. OK. Ouais, ça fait un cercle vertueux, magnifique. La boucle est bouclée. On va passer à... Alors, je regarde encore s'il y a d'autres questions. Montpellier, bon, comme on a dit, voilà, tout le monde peut vous voir dans les villes respectives de chacun. En tout cas, comme on a dit, vous pourrez voir toutes les dates de Jabberwocky sur leur Facebook, tous les réseaux sociaux. On va passer à la fameuse boîte mystère. C'est le petit cadeau qu'on offre à notre invité, enfin, nos invités pour chaque émission. Est-ce que la boîte mystère est dans le coin? S'il vous plaît. Voilà, la boîte mystère. Ah ouais. Non, ça ne mord pas. Tu peux. Ouais, c'est bien emballé, tu vas comprendre pourquoi. Voilà, alors en fait, c'était. Ouais, bien vu. C'était dans une interview. Je me rappelle plus laquelle où vous disiez que si vous deviez décrire, enfin en tout cas décrire Jabberwocky enfin si c'était un fromage, ce serait le brie aux truffes. Alors on vous offre un brie aux truffes. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Voilà, vous en avez pour vos narines. Ah putain, on le sent d'ici. En tout cas, merci beaucoup Jabberwocky. Ben, merci à vous. C'était super. Merci à BETC qui nous a accueillis ce soir dans leurs magnifiques locaux. Je pense que vous avez bien vu la beauté de ces locaux avec le drone. Merci d'ailleurs à Drone Around the World qui nous a fait des belles images alors que ce n'était pas forcément évident avec toutes les poutres, etc. Il n'y a pas eu de crash en direct. Merci à tous. Merci à Le Bonbon qui était notre partenaire pour cette émission. Et on se retrouve dimanche prochain avec Fakir sur le Pic du Midi. Allez, bisous. Ciao.